Donc, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux accords en barré. Donc, ce sont des accords extrêmement utiles à la guitare. On va voir pourquoi dans quelques instants. Le principe est très simple, c'est que c'est un type d'accord qu'on va pouvoir déplacer en fait sur le manche. C'est-à-dire que toujours avec la même position, il suffit que je me déplace sur le manche pour que ça change l'accord. On verra également quand vous faites ce type d'accord. Donc, il y a deux familles d'accords principalement. Les accords majeurs et les accords mineurs, et juste en bougeant un doigt, je peux passer d'un accord majeur à un accord mineur. Pour jouer un accord barré, en fait, il faut déjà bien mémoriser la position d'accord, donc je vais le faire à la cinquième case. Donc, en fait, on appelle ça un barré parce qu'avec mon index, en fait, je vais appuyer sur toutes les cordes, donc je barre toutes les cordes. Ensuite, je vais poser mon annulaire à la septième case sur la deuxième corde, le petit doigt sur la même case juste dessous, et le majeur sur la corde encore en dessous, à la sixième case. Quand je fais cet accord, en fait, j'obtiens un La majeur. Si je lève le doigt du milieu, clac, j'obtiens un La mineur. Au passage, je constate que l'accord mineur est beaucoup plus triste en termes de sonorité que l'accord majeur. Majeur, mineur. Ce qui est important à bien comprendre maintenant, c'est que cet accord s'appelle un La, majeur ou mineur, suivant si je pose le doigt du milieu, à cause de la note la plus grave de l'accord. Alors la note la plus grave de l'accord, en fait, c'est la note que je joue ici sur la grosse corde à la cinquième case. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait toutes les notes qu'on a sur la grosse corde case par case. Et donc à chaque fois en déplaçant mon accord, eh ben, tout simplement, je vais avoir le nom de l'accord puisqu'il porte le nom de cette note-là. Si je le décale ici, il portera le nom de cette note-là, etc., etc. Donc, la plus grosse corde, c'est un Mi. Et on connaît tous ça, ça fait partie de. On a tous ça en tête, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On n'a pas besoin de l'apprendre, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On sait ça depuis qu'on est tout petit. Vous avez juste à mémoriser une chose. C'est qu'entre toutes les notes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je vais sauter une case, sauf entre Si et Do. Et entre Mi et Fa. Donc, cette note est un Mi. Entre Mi et Fa, on ne saute pas de case, donc le Fa sera juste à côté. Do, Ré, Mi, Fa, je ne saute pas de case. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Entre Fa et Sol, je saute une case. Sol, c'est la note qui est après le Fa. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Cette note-là est un Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. La note donc que j'ai après le Sol, c'est un La. Je saute une case entre Sol et La. Ici, c'est un La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Entre La et Si, je saute une case. Donc je continue. Et mon Si est ici à la septième case. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Comme on a dit tout à l'heure, entre Si et Do, on ne saute pas de case. Donc Do va être juste à côté. Entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Entre Do et Ré, je saute une case. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Je saute une case entre Ré et Mi. Et quand j'arrive aux deux points, en fait, les notes que j'ai ici sont exactement les mêmes notes que j'ai ici. Autrement dit, les notes que j'ai sur les deux points sont les mêmes notes que les cordes à vide, un octave au-dessus. D'accord? Ça, c'est un Mi. Ça, c'est un Mi aussi. Ça, c'est un Fa. Ça, c'est aussi un Fa. Ça, c'est un Sol. Ça, c'est également un Sol. Donc si je prends mon schéma d'accord majeur à partir de la première case, donc je barre à la première case et je pose mon schéma d'accord majeur. Donc ça va faire un Fa, un Sol, un La, un Si, un Do, un Ré, et ensuite ça recommence. Mi, Fa. Alors évidemment, plus vous allez aller vers les cases plus petites, plus ça va être difficile à jouer, parce que les cases sont trop petites, tout simplement. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que ça, c'est la même chose que ça. Donc, vous avez vu, c'est toujours la corde grave qui donne le nom à l'accord. Vous avez vu, on a sauté des cases. Alors, les cases qu'on a sautées, en fait, vont nous servir à jouer des accords qu'on va appeler des accords bémol ou dièse. Ça, donc, c'est un Fa. Si je saute une case, j'arrive sur un Sol, d'accord? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Si je veux faire un Sol bémol, eh ben, je vais me décaler d'une case. D'accord? Donc bémol, ça voudra dire une case plus grave. Sol, sol bémol. Je peux faire également un fa dièse. Donc un fa dièse, en fait, c'est un fa que j'ai décalé d'une case plus aiguë.
d'accord, Fa, Fa dièse. Et donc on constate que Sol bémol et Fa dièse, c'est le même son. C'est pas le même nom, mais concrètement sur le manche, c'est la même chose. Alors, pour l'instant, je vous explique pas comment on décide si on l'appelle Fa dièse ou Sol bémol. Pour l'instant, on met ça de côté. On verra ça un petit peu plus tard. Mais simplement, sachez que quand vous dites Fa dièse ou quand vous dites un accord de Fa dièse majeur ou un accord de Sol bémol majeur, en fait, on parle du même son. C'est pas le même nom, mais c'est le même son.